Quel est, selon vous, le point commun entre l'imagerie médicale, une série sur Netflix ou une voiture autonome? Vous bloquez? Comme beaucoup de disruptions technologiques majeures, elles découlent du machine learning, des statistiques et des probabilités, des domaines denses et omniprésents. Sac sur le dos et billet d'avion en poche, je suis parti à Boston réaliser un stage de recherche en machine learning. Un peu à la manière de Netflix, j'ai amélioré, avec un système de recommandation, le taux de rétention sur les sites de réservation de billets d'avion. Netflix vous garde à la maison pour regarder des séries, moi au contraire, j'ai travaillé pour concrétiser vos envies d'évasion. J'ai rencontré des experts du MIT, j'ai découvert le monde de la recherche, mais je me suis surtout prouvé que rien n'était insurmontable. Et puis moi aussi, ça m'a donné envie de voyager. Puis faut bien admettre, les États-Unis, c'est plutôt sympa. Grandes villes, déserts et des paysages incroyables. Je suis déjà impatient de remonter dans le prochain avion pour relever un nouveau défi.